Salut et bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous apprenons tout sur le repassage. Et si vous voulez apprendre encore un peu plus sur le repassage, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. Le sujet du jour, c'est que une question m'a été posée par un de nos amis dans la communauté qui voulait savoir comment est-ce qu'on peut lisser un habit. Elle ne m'a pas précisé quel genre d'habit, mais je vais essayer de faire de sorte que ce que je mettrai sur la table puisse profiter à tout le monde. Parce que la question est très très importante. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai pris en exemple une chemise. Mais je ne vais pas repasser la chemise parce que j'ai déjà fait assez de vidéos sur la chemise. Je vais juste repasser les manches de la chemise pour vous montrer comment est-ce qu'on peut lisser un habit. Que ce soit une chemise ou encore n'importe quelle chemise. Je souligne que tous les tissus ne sont pas pareils et ils ne demandent pas. Tous ces tissus-là ne demandera pas cette formule que je suis en train de faire maintenant là pour lisser un habit. Non. Sur cela, je vais repasser la manche de cette chemise. Les deux manches, je vais les repasser différemment. Comme ça, vous allez voir, à la première partie, une manche qui a été repassée sans que je puisse utiliser les méthodes professionnelles pour qu'elle soit bien lissée. Et l'autre, où je repasse professionnellement, et vous allez faire la différence entre les deux manches. Et le temps que je vais mettre pour le lissage, c'est à vous de déterminer le temps que je mets pour lisser les deux manches. C'est vous qui allez déterminer cela. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer dans les moindres détails quels sont les outils qu'il faut utiliser pour lisser un habit. De ce pas, nous allons partir dans la pratique. Je commence d'abord par repasser cette manche sans que je puisse utiliser les méthodes professionnelles. C'est-à-dire, je le repasse comme vous avez l'habitude de le faire chez vous à la maison. C'est parti pour le repassage. Là, je suis en train de repasser les manches comme vous avez l'habitude de repasser chez vous à la maison. Je reprécise, pendant que je suis en train de m'appliquer au repassage, je repasse juste les manches, les deux manches de la chemise et je vous montre la différence des deux. Donc, la première manche, je suis en train de la repasser comme vous repassez chez vous à la maison, comme vous avez l'habitude de le faire. Et après, je vais repasser encore une fois l'autre manche professionnellement pour vous montrer comment est-ce qu'il faut lisser un habit. Voilà, j'ai fini de repasser la première manche et vous allez remarquer que cette manche est repassée, c'est repassé, mais elle n'est pas assez lissée. Regardez bien, je rapproche la manche vers la caméra pour que vous puissiez voir que la manche n'est pas bien lissée parce qu'il y a encore des parties qui ne sont pas bien repassé. Il y a encore du froissé sur la manche, comme vous pouvez le constater. Regardez bien, il y a encore des froissés. Maintenant, je vais repasser l'autre manche de la chemise. Cette fois-ci, en utilisant les techniques professionnelles pour que la manche soit bien lissée. Vous commencez d'abord, seulement il faut avoir cet instrument chez vous. Dans les prochaines vidéos, comme je l'ai dit, je vais vous expliquer l'importance de cet instrument. Je vais vous l'expliquer. Donc on repasse d'abord notre manche et puis vous allez avoir la suite. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que les résultats ne sont pas pareils. Franchement, c'est le jour et la nuit.
Quand vous mettez, après avoir tamisé votre manche, vous faites de, vous étalez correctement la manche. Donc l'autre côté, ce côté recto et verso, doivent avoir, soit doit être bien aplati sur la table à repassage. Vraiment bien aplati. Ici, vous devez vous appuyer, comme je le dis souvent dans les dans mes vidéos, vous devez vous appuyer pour que votre habit soit bien lissé. Si vous ne vous appuyez pas sur votre habit, vous n'aurez jamais le résultat et vous n'aurez jamais un bon lissage. Ça, vous pouvez le faire comme vous voulez, vous n'aurez jamais un bon lissage. Vous devez, votre poids est très important sur votre fer à repasser pour que vous puissiez avoir un résultat positif. Très, très important. Donc, je repasse l'autre partie de la manche. Appuyez-vous sur votre fer pour avoir le résultat positif. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas bien lisser votre habit. Vous devez vous appuyer. J'ai fini de repasser la deuxième manche. Maintenant, regardez, je vais rapprocher la manche vers la caméra pour que vous puissiez regarder combien la chemise a été, la manche plutôt, a été lissée par rapport à la première manche que j'ai repassée comme vous avez l'habitude de repasser à la maison. Cette fois-ci, je l'ai repassée professionnellement et je l'ai bien lissée. Vous voyez qu'il y a une très très grande différence. Vraiment, c'est le jour et la nuit. C'est pas la même chose. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui sur le lissage de vos habits. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de la notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos sur le repassage. D'ici là, portez-vous bien et surtout, à très bientôt.